Je passe la plupart de mon temps dans des Airbnb que je loue dans les quatre coins de la France. Mon métier de compositeur de musique méditative me permet de travailler de partout, à partir du moment où j'ai tout mon studio avec moi. Ce logement dans le sud de la France m'a beaucoup, beaucoup inspiré. En arrivant, c'est Olivier qui m'a reçu et il m'a expliqué qu'il adore venir composer ici. Donc direct, ça nous a fait un beau point commun. Juste avant de partir, je lui ai proposé une impro méditative et il a accepté. Alors il est venu avec sa flûte harmonique et on a joué ensemble pour la première fois après une courte méditation. La flûte avec laquelle il joue Olivier, elle est très spéciale, il n'y a qu'un trou. À la fin de la vidéo, je lui pose des questions et t'explique pourquoi elle est aussi spéciale. Thank you.
Yes. Si tu veux. Tu veux présenter ton instrument, parce que c'est un instrument assez dingue, je pense que les gens ne connaissent pas cette flûte. Il y a, ouais, si tu veux la présenter, ça peut être cool. Alors, c'est une flûte harmonique. Donc, il y a un seul trou. Et en fait, ça utilise des harmoniques comme, comme je te disais, le vent dans les portes, les tuyaux électriques qu'on tourne, c'est des harmoniques naturelles. Donc, c'est un instrument qui est très ancien, qu'on retrouve un peu partout sur la planète. Après, celui-ci, il a été fait par une potière de Nîmes, Marie Picard. Okay. Et donc, elle est toute en terre. Bon, ça entraîne une sonorité. Mais voilà, on joue avec les gammes naturelles. Donc, il y a une dimension, on va dire, spirituelle, pour certains, si on veut l'appeler comme ça. Et toi, ouais, toi donc, te... donc voilà, il y a un seul trou, et puis on utilise, on peut boucher le fond de la flûte pour jouer avec elle. Non.